Ça y est, le camp de la colonie. Patron, hein? Nous sommes sur la bonne piste. Patron, il n'y a personne. Ils sont certainement partis. Non, je crois pas. Mais écoute, s'ils étaient partis, ils allaient démonter les temples. Mais où peuvent-ils être maintenant? Peut-être à la recherche de Lily. Et ils sont partis, laissant le camp vide sans un gardien. Mais des voleurs pourraient venir. Non, mais c'est vraiment imprudent, quoi. Hola. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes à la recherche de Lily. Je suis son père. Ah, oui. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bien. Chez vous. Salut. Alors, on l'a retrouvée à propos, la petite. Ah, ouais. Oui. Mais... ouais, on l'a retrouvée. Mais présentement, ils sont dans le village là pour une animation de compte. Ah oui? Oh, oui. Vous pouvez nous y conduire, s'il vous plaît? Non, parce que je ne peux pas laisser le camp vide. Hein. Par contre, je peux vous indiquer. Ah oui. Vous êtes venu par la grande route, c'est oui, ça? Oui, oui. Bien. Juste après le marché, vous remarquez sur votre droite, là, un grand baobab. Ah oui. La concession juste à côté. Ah, c'est là-bas? C'est là, oui. Ah, d'accord. Ok, vraiment. Allez, merci beaucoup. Sinon, on l'a retrouvé. Ah, c'est bien. On va vous dire au revoir. Très bien. Bon, allez, les enfants, on va partir. Les enfants... Même les bonnes choses ont une fin. Hein. Donc, c'est le moment de se séparer. Très heureux, mais il le faut bien. D'accord, c'est bien. Bon, j'arrive, attendez, je les accompagne et puis je reviens. Personne, hein? Ok, tout le monde est là. Oui. Très bien, on y va. Après. Eh bien, les enfants, écoutez bien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez aimé le conte? Oui. Très bien, maintenant on va retourner au camp pour préparer la veillée de ce soir. Hein? Peut-on faire un tour au marché et nous acheter des cacahuètes? Des cacahuètes? Jamais. Personne ne bouge. Il y a la maman de Marc qui m'a promis des cacahuètes. Voilà, est-ce que je peux aller chercher les cacahuètes avec elle? Non, personne ne bouge. Tout le monde reste là. Claire. Ah, c'est aussi le papa de Lily. Oui, hey. C'est vrai? Le papa de Lily. Papa! Ah, que je suis content de te revoir. Mais tu nous as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je viens te chercher. Mais tu nous as fait peur. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu quittes le camp comme ça? Non. J'étais à la recherche de mon nounou. C'est Madou et son papa qui m'ont ramené au camp. Madou, comment ça va? Oui, ça va. Ah oui. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Ah bon, et le camp, c'est... Oui, ça va. On va retourner au camp. On était venu écouter les contacts. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ben...
je vais profiter pour aller connaître chez eux. Il n'y a pas de problème. Après, je vais la ramener. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, merci beaucoup. Allez, madame, merci beaucoup. D'accord, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, ma fille. Allez, voilà. Embarquement, okay, okay. On y va. C'est pas pour que les enfants ne soient pas coupés de l'énergie. Alors, docteur, c'est mon épouse. C'est le papa de Lily. Ça va bien, ça va. Et chez vous, madame va bien? Très bien, ça va. On a eu vraiment peur pour Lily. Mais grâce à Madou, on a pu la retrouver. C'est ça. Alors, je profite de l'occasion pour venir connaître chez vous. C'est très bien ça. Ça va, Lily? Ça va. Elle est venue chercher les cacahuètes que tu lui as promises. C'est ça. J'arrive. Je vais au puits et je reviens tout à l'heure. D'accord? Attendez-moi. Ne traîne pas là-bas. J'arrive. Non, non, tout de suite. Papa, oui? Est-ce que je peux aller montrer quelque chose à Lily et puis je reviens? Allez-y. Mais il ne faut pas rester là-bas longtemps. Ok. Bon, on va à la maison. Les enfants, c'est comme ça. Et la saison? Ben, elle a bien commencé. On espère qu'elle va bien se terminer. Tu m'avais dit que tu avais perdu ton nounours. Oui. Désires-tu vraiment le retrouver? Oui. D'accord. Fais-moi confiance et n'aie pas peur. Voici ton nounours. C'est qui? Comment as-tu fait pour savoir qu'elle avait mon nounours? Ça, c'est un secret à moi. C'est un pouvoir qui m'a été accordé après avoir fait du bien, en fait. Comme récompense, quoi. À qui? Et comment? Bon, je te le raconterai plus tard. Écoute, dépêchons-nous avant que maman ne rentre. Et puis, ne dis jamais, jamais à quelqu'un ce que tu as vu. Sinon, ton nounours va disparaître. Et tu ne le verras plus. Madou, tu m'as remis mon nounours sans chercher à l'admirer. Tu me demandais ce que c'était qu'un nounours. Je vais te l'expliquer. Le nounours, c'est le bébé de toute fillette. Elle ne le quitte jamais. Elle prend toujours soin de lui. Tu m'entends? Madou, pourquoi pleures-tu? Qui est-ce? C'est la dame qui t'a remis ton nounours. C'est ma mère. Ta propre mère? Elle n'est donc pas morte? Elle est bien morte là. Toi aussi. Voici sa tombe. Et celle qui est à la maison? Ce n'est pas ma vraie mère. Madou, je t'en prie, explique-moi. Où est ta mère? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Mon fils, nous sommes venus te voir. Draman est mort en Côte d'Ivoire, laissant un enfant de 5 ans et sa femme. Selon le coutume, c'est toi qui dois le pousser. Je vous remercie de vous être dérangé pour venir me voir. Comme vous l'avez bien souligné, selon les coutumes, ce que Draman a laissé, c'est moi qui dois tout assumer. Je dois prendre mes responsabilités. J'ai compris ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous.
je vais épouser sa femme. Nous sommes très fiers et nous te félicitons. Ainsi, tu laveras la stérilité de ta femme. C'est vrai. C'est vrai que ma femme n'a pas eu d'enfant. La femme de Draman, son fils de 5 ans, doivent se sentir ce jeu. Quand je regarde cet enfant de 5 ans, je suis fier. Je vois en lui la continuité de notre famille. Je t'ai prévenu que je ne partagerai pas notre vie avec une autre femme. Tu m'as promis quand on s'est épousé, non? Je ne sais même pas de quoi ton frère est mort. Et si c'est elle qui l'a tué? Elle me tuerait aussi, n'est-ce pas? Sûr. Sois raisonnable, Mariam. Elle est mon neveu. Apporte un rayon de bonheur dans notre foyer. Rayon de bonheur pour toi, oui. Tu pourras nous changer comme des draps de lit, c'est ça? Je ne te comprends plus, Mariam. Ressaisis-toi. Ne te laisse pas enflammer par le feu de la jalousie. Ami et Madou vont rester ici avec nous. Tu es toujours la maîtresse de la maison. Tu sais que mon frère est mort. Et depuis, je suis seul au monde. Tu veux que mon nom s'éteigne? C'est ça que tu veux? Mais on va attendre, comment on va faire? Hein? Parce que l'eau là, maintenant, c'est du tout. C'est qui? Oh, n'aie pas peur, c'est moi. Que veux-tu? Depuis 3 mois, c'est la même question que tu me poses. Je te donne la même réponse. Assieds-toi. Avec ta femme. Je veux que vous viviez longtemps. Le plus heureux avec toi. Amitié est la meilleure. Je ne vais pas coucher avec toi. Mais pourquoi? Tu as donné ton cœur à un autre homme meilleur que moi? Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi alors? Tu veux vraiment le savoir? Oui, et tout de suite. Je suis séropositive. Quoi? Oui. J'ai le sida. Ton frère est mort de ça. Je ne veux pas te contaminer et contaminer ta femme. Tu comprends maintenant pourquoi je ne veux pas coucher avec toi. Rasmane, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je ne veux pas avoir sur ma conscience la responsabilité d'un meurtre. Et moi qui comptais sur toi pour laver la honte de la stérilité de Mariam.
Merci pour tes six pailles. Grâce à toi, je pourrais me rendre au marché des villages voisins. Non, ne dis pas ça. Jasmine t'en donne aussi là. Hein? À chaque ramadan, tu en reçois. Ce n'est pas la même chose. Hein? Les tiens sont des véritables wax hollandais. C'est Mariam. Bientôt, je n'en aurai plus besoin. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un secret à te confier. Mais je compte beaucoup sur ta discrétion. Certaine. Confiance. Bientôt, je vais rejoindre mon mari. Je souffre de la même maladie qu'il a emportée. Le sida. Et j'ai deux choses importantes à te dire. Depuis mon arrivée jusqu'à l'heure où je te parle, j'ai toujours refusé énergiquement le lit à Rasmani. Il n'y a jamais eu de rapport entre nous. Tout cela parce que je ne veux pas le contaminer, lui te contaminer. Tu n'as pas de fils, je sais. Je te laisse le mien. Madou, fais-en un homme. Cela fera honneur à Rasmani et te procurera beaucoup de petits fils. Voici le bois que tu m'as demandé, maman. C'est très bien, mon fils. Cela est une preuve que tu es devenu un grand garçon. Hein? Ce bâton, c'est le symbole de la résistance. Le jour où mes pieds ne pourront plus me porter, c'est sur ça que je m'appuierai. Mais c'est sur toi que je m'appuierai, mon fils, parce que c'est toi qui me l'as offert. Il est joli, hein? Est-ce que tu l'aimes? Oui, il est beau, je l'aime. Mon fils, quand je ne serai plus là et que tu as besoin de quelque chose que personne ne peut te donner, tu prends ce bâton, tu exprimes tes vœux, je serai là à ton appel. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais où vas-tu? Nulle part. C'est elle qui est venue tout à l'heure. Elle était belle comme la Vierge Marie. La Vierge Marie. C'est qui ça? C'est la mère de Jésus. Elle est au ciel. Est-elle morte aussi du sida? Non. Elle intercède pour moi aussi quand je la prie. Comme toute bonne maman, quoi. Fais voir ton nounours, là. Oh, qu'il est doux. Tu sais, une fois, mon ami Djougou, en revenant de la ville, il a amené un nounours aussi grand. Il était même devenu son ami inséparable. Mais malheureusement, un jour, les chiens du village l'ont déchiqueté. Dommage. Heureusement qu'ils n'ont pas vu celui-là avant nous. Hein. Bon, prends ton bébé et rentrons vite à la maison avant que ma mère ne revienne du puits. Madou. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? École? Si tout le monde part à l'école, qui donnera à manger aux autres? Hein? Mon oncle a préféré me confier son troupeau plutôt qu'à un autre peul. Parce qu'il avait peur qu'il disparaisse avec son troupeau. Enfin, son trésor. Mais à l'école, tu vas apprendre beaucoup de choses. Comment? Hein? Ces choses-là, je ne peux pas les toucher, ni les voir, et ni les manger. Tu sais, avec mon troupeau là, moi, j'apprends beaucoup de choses qui n'existent pas dans les livres. Oh, école. Viens. Mmh.
moi je vais reprendre mon argent. Parce que c'est trop coincé, je ne peux pas rester. Mon gars, qui t'a dit que c'est serré? Et vous, serré, poussé. Non, poussé, 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 poussé. Non, non, non. Monte là, on est pressé. Non, mon gars, faut monter là. Monte. Allez. Allez, venez, 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 venez. Il y a de la place. Oui, il y a une place. Ah bon, merci. T'as serré là. Voilà. C'est bon. C'est 1000 francs. Hein? L'argent. Ah voilà, là, ouais. Merci, merci. Oui, c'est vrai. Comment ça suffit? Hey, Madou, prends soin des animaux. Rentre les dos. N'oublie surtout pas de mettre de l'eau dans l'abreuvoir des poules. Tu as compris? Oui. Ok. Ah, j'oubliais. Faut dire à ta maman d'aller voir Gomtibo prendre l'argent des arachides. Hein? Oui. Tu entends? Oui. Hey, attends. Bon, je reviens. Je reviens dans 2 jours. Au revoir, papa. Au revoir. C'est l'histoire de Sitatu. Il m'a parlé à l'oreille de flamme. C'est l'histoire d'un petit berger. Ils ont en commun l'amour de la nature. Ils apprennent le secret de l'environnement. Parler à l'oreille.